Nous sommes à l'hôtel, petit déjeuner. Donc, hôtel Van der Valk, il fait un temps exécrable. C'est dégueulasse. Mais bon, on en profite, petit déjeuner. Alors, ici, le buffet est gigantesque. Comme on l'aide un peu à l'allemande, hein, donc sucré, salé. Plutôt dans le sens salé, sucré. Donc les œufs, le fromage, la speck, les saucisses, les beans, tout ce qu'on aime. On essaie de se motiver pour aller à Efteling. Alors pour l'instant, c'est pas gagné. Vraiment un temps exécrable. Il pleut beaucoup, beaucoup de vent aussi. La nuit a été assez compliquée. C'est parti pour petit déj. Faut qu'on tienne jusqu'à 13h45. On a réservé à Efteling pour des crêpes. Salut les amis! Hello! Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la chaîne. Comme certains peut-être reconnaîtront derrière, nous sommes à Efteling! Et nous sommes le 31 décembre. Donc, nous allons passer Nouvel An ici. Alors, nous profitons autant que possible. Nous avons des passes pour Europa Park. Il se trouve que les passes permettent d'accéder à Efteling une fois par an. Donc, c'est parti! On vous emmène pour une nuit de Nouvel An à Efteling! Ah ouais. Et lui, j'ai pas entendu gling gling. Matos simple. On est bien.
qu'est-ce qu'on disait? Et où il reste? Ouais. Voilà. On sort de ce machin-là. Bon, pour ceux qui ne le connaissent pas, que dire? Le pré-show est très sympa. Là, ils ont optimisé aussi le dispatch. On ne pose plus les bagages dans le hall d'embarquement. Ils ont aménagé les casiers avant d'entrer dans le bâtiment avec des gens qui font le service pour éviter les vols. Ça marche très bien. La petite drop est mignonne tout plein, mais bon, le reste. J'ai presque des guillons là. Ouais, comme dit Marie. Hein. Non, et c'est, sérieusement, on se demande s'ils ont eu le truc au rabais parce qu'il manque vraiment 600 mètres de rail. Hein. Le layout est très très court, c'est vraiment dommage. Parce qu'on n'a pas le temps de profiter. Mais enfin bon, ça reste une machine à faire, du BM. Comme il se doit. Maintenant, on va essayer de shooter Joris Ndidrak. Alors, qui est sujet à quelques petits déboires, va-t-on dire, puisqu'il vient d'être partiellement retraqué. Et il semblerait qu'ils l'ont mis en service quoi, lundi? 3 jours, il disait. Voilà, ils l'ont mis en service début de semaine. 3 jours après, il y a eu de la casse. Donc. Bah fermé, en tout cas hier soir il était indiqué comme fermé. Ce matin on arrive, on entend qu'il y a du monde dessus. Bon, on va tenter, on vous dira ce qu'il en est. Donc voilà, la bébête. L'objet du délit. Donc là on voit bien, on voit super bien la nouvelle forme. Je vous zoome un petit peu là, on voit super bien la nouvelle forme du rail. Structure entièrement en métal. Ouais, du coup, vachement plus bruyant. Voyons. Alors, on a fait Joris Ndidrak et on n'a pas vu les différences. Ça vibre un petit peu moins. Un tout petit peu moins, mais un tout petit peu. Par contre, ce qu'on récupère en vibration, on gagne en niveau sonore. Donc c'est d'autant plus souple que c'est bruyant. Donc le coin, l'unique coin où ils ont retraqué, on sait qu'on y est rien qu'au bruit. Mais sinon, allez, c'est un tout petit peu plus fluide. Mais c'est tout. Niveau sensation, il n'y a rien. Cherchez pas, ça change absolument rien. Voilà, on continue. Hein. Thank you.
On est posé dans un resto dont je serais incapable de prononcer le nom. Enfin bon, la crêperie locale. Avec un peu d'animation de temps en temps, c'est rigolo. Ce sont des crêpes salées, sucrées. Alors en fait, la différence par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, c'est que la garniture en fait est noyée dans la crêpe. Donc ça fait un peu plus de pâte et un peu moins de garniture. Ça reste bon, hein, ça vaut 10 balles, c'est pas extraordinaire, mais ça reste bon, c'est livré plutôt vite. Surtout que là, en fait, on avait réservé un créneau et on a le droit à 3 quarts d'heure pour manger. Voilà, ça se mange, le cadre est très sympa, c'est juste un peu bruyant. Mais ça fait le taf, hein, pour manger vite, et puis ça cale, hein, ça cale le vide, on attend pas le dessert. C'est immense. Ouais les amis, on est posé pour goûter. Alors le parc se vide gentiment, on a pu faire son Muloka en 10 minutes. C'était très mignon, je vous mettrai une vidéo là, on a testé à filmer à 360, on verra ce que ça raconte. Ça commence doucement à s'assombrir, alors la pluie s'est arrêtée, mais par contre le vent est toujours là. Donc ça risque de compromettre le feu d'artifice, on espère que non. On verra, ça va être la surprise. A noter que le staff est toujours aussi sympa. Voilà. Et puis de temps en temps, ils vous pètent un scandale, c'est rigolo. Ils se foutent sur la figure, c'est fandard. Là, on est posé en face Max et Maurice, et puis ils se font un sketch en cuisine. Et ils ont une voix qui porte en tout cas. Dit comme ça, on a l'impression que c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Ils jouent la comédie, ils la jouent bien. Non, ils mettent de l'ambiance et c'est vraiment très très agréable. Et voilà les amis, on se retrouve à l'entrée d'Efteling. On a dû sortir du parc à 18h. Et là, le parc réouvrira à 19h. Donc on retourne dans la file d'attente. A priori, on a quelques petites joyeusetés qui nous attendent. De quoi boire, de quoi manger, semble-t-il. Donc là, on retourne au parc avec les décorations nocturnes, avec toutes les animations qui sont prévues, et il y a pas mal à faire, sachant qu'en plus, là on a un petit peu attendu dans la voiture, et pour vous dire, ça claque de tous les côtés, il y a des feux d'artifice dans tous les sens, ça n'a pas arrêté de la journée et de la soirée, ça fait une heure qu'on attend dans la voiture, et ça n'arrête pas. Donc on vous ramène, c'est reparti, pour la soirée du réveillon à Efteling. English? Do you have your ticket ready? Yes. Yeah. Oh, I have a wonderful evening. Thank you very much. Thank you. Have a nice day. Ja, voor de mensen die me nog niet gehoord hebben, dezelfde tasje met alcohol, de rode tasje zonder alcohol, en mijn collega op het eind van de tafel heeft nog heerlijke oliebollen. Well, the same in English. The silver bags are with alcohol, the red bags are without alcohol, and my colleague at the end of the table has got delicious oliebollen. I don't know what that's in English. He's alcoholic.
This is with alcohol. With alcohol. With alcohol. Oh, tu veux with alcohol? Bah oui, with allez, alcohol. With alcohol. Ça marche. Et tu sais? Voilà les amis, alors on est rentré dans le parc, il y a beaucoup de bruit dans le coin, je sais pas si vous allez nous voir correctement. Ah, il y en a une qui se barre. Non, tu la pousses, elle se barre pas. Non, elle se barre. Elle se non, barre. Non, tu non. La poussais, je l'ai vu. C'est diffamatoire. Bon. Je m'en fous, c'est moi qui l'ai. Voilà, donc on a reçu notre petit kit d'entrée. Le petit sac qui va bien, donc à l'intérieur, un petit verre et la bouteille de Prosecco. Ouais. Une petite bouteille qui va bien. C'est mignon tout plein. Et un truc qu'on a bien rigolé. Parce que bon, vu qu'on parle pas du tout la langue, c'est un peu délicat. Donc, on a traduit ça sur Google. Voilà. Donc pour Google, c'est une boule d'huile. C'est un beignet. Bon, c'est un beignet, on sait pas à quoi, mais on vous dira on ça. On va goûter tout de suite. On va goûter. Ouais. Un chèque. Mais non, ouais. Mais c'est gras. Hein. C'est bon. C'est bon, mais c'est gras. C'est bon. Mais c'est gras. On laisse un peu la foule passer. Et puis après, on va commencer à enchaîner les prises de vue de nuit. Et puis on va voir si on peut faire deux ou trois petits on-ride sur les machines de parc pendant la nuit. Ça peut être sympa. Allez, on vous retrouve tout à l'heure. Come on!
Laten we kennis maken. Hoe heet jij? On a fait 2-3 bricoles, on est allé voir un spectacle sur le lac, on a pris plein de flotte dans la gueule à cause du vent. Là on avait une petite faim, il est 9h30, on s'est posé, on s'est pris un petit donner qui est disponible à côté de Python, ils sont très bons. 9,50€ avec une boisson, ils sont pas très gros mais ils sont très bons. Ouais, je sais pas si vous verrez, par contre on en fout toujours partout pour manger, ça c'est l'éternel problème. Bon, toujours est-il, la décoration est extraordinaire. C'est juste extraordinaire. Le staff est toujours extraordinaire. Le vent vient un peu pourrir la fête et encore pas trop. Par contre, ce soir, contrairement au reste de la journée, il y a un monde de dingue. Il y a 3/4 d'heure partout. C'est pris d'assaut. Bon, logique, hein. Maintenant, pour l'essentiel, on va essayer encore de faire 2-3 rides de nuit. Ça peut être sympa. Pas garanti qu'on y arrive. On est parti d'abord. D'abord, voilà, on prend des forces. 23h, commencera le spectacle au fond du parc. Un grand spectacle sur le lac, avec le décompte derrière, le feu d'artifice, laser show, tout ce qui va bien. Et puis derrière, ça continuera DJ. Enfin, voilà. On va essayer de voir ce qu'on peut en scoupiller avant de se rentrer. We'll be right back.
yes. your lots. Stay lots, here? Lots, yes, lots. Which is your favorite? Everything. Yeah? Do you like the fast rides or the fairy tale wood forest or everything. Everything. Okay. Just amazing. Ah, okay. Oh, that's a great answer. Yeah. We love Efteling. And you came all the way here to join us on this special evening. Yeah. Very good. Hey. Very good. De binnenwinkeltjes niet meer weten, weet ik het toch niet meer. Alors voilà ce que ça donne. C'est un pays de dingue. Toute la journée, ça claquait un peu dans tous les coins. Les feux d'artifice, mais alors là, c'est juste du non-stop. Je peux faire un panoramique, il y a des feux d'artifice absolument partout. Ça ne s'arrête plus. Ça ne s'arrête plus. Il n'y a que ça. Je vous remonte ça parce que c'est surréaliste. Salut les amis. On se retrouve après une nuit trop courte. Nous sommes le 1er janvier 2023. Donc tout d'abord, on vous souhaite la bonne année. Bonne année. Nous sommes au petit déjeuner, au brunch, toujours à l'hôtel Van der Valk. Vous entendez à ma voix de Barry White que il est 9h30 presque 10h, mais la nuit a été quand même trop courte. Ce pays est fou, je le dis.
On le clame haut et fort, ce sont des dingues. Des feux d'artifice jusqu'à pas d'heure, ça s'est pas arrêté, même sur le parking d'hôtel, il y en avait. Tout ça pour dire que c'est le plus beau nouvel an qu'on a pu passer dans un parc, de très très long. Donc, journée très sympa au parc, même si la météo était un peu capricieuse, c'est pas bien grave. Mes journées, il n'y avait pas trop de monde, c'était bien. Mais alors, la soirée, c'était vraiment extraordinaire. L'ambiance était un peu froide hier soir quand même. Le public a eu du mal à se chauffer. Mais ouais, une mise en scène de fou. Avec la petite bouteille de Prosecco pour trinquer, c'était vraiment, vraiment, vraiment sympa. Voilà, sinon, bon, bah, le staff toujours aussi sympa, toujours aussi actif. Alors là, c'était un truc de fou. Même la soirée, enfin, tous dans l'ambiance, tous dans l'ambiance. Les petits coasters, alors bon, ça reste des machines, hein, c'est pas extraordinaire, mais à faire de nuit, c'est toujours plaisant. Évidemment, donc t'as une soirée beaucoup, beaucoup plus de monde. Évidemment, on pouvait pas retourner à Efteling sans repasser voir l'arbre des comptes, hein, sinon Marie me faisait un procès. Alors, si on devait comparer, forcément, et là, grosse dédicace à nos amis de Chepepagé Coaster, Tonton Max, tout ça. Évidemment, bisous à Kevin, qui était à Plopsaland l'année dernière. Bon. On est un cran dessus, sauf qu'il n'y a pas RTH forcément. Mais donc voilà, toujours est-il que bah, au niveau de l'ambiance, au niveau de l'animation, au niveau du cadre, c'est Efteling, mais ça n'a rien à voir. Ce parc reste une référence en Europe, en termes d'organisation, en termes d'animation. En parlant d'Epiphan, Ed et Edam, j'en suis partout. On leur a fait découvrir Efteling et d'autres raisons. Et c'est que le début. Enfin bon, pas mal de projets pour 2023, c'est avancé. De nouveaux coasters, de nouveaux parcs, pour vous amener toujours un petit peu plus loin. Sur ce, ben, on vous souhaite encore une bonne année. Bonne année! On vous souhaite le meilleur, plein de coasters, plein de parcs, plein de magie. Plein de féerie, plein d'amour. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt les amis. À très bientôt.